actuel leader du groupe D du championnat National 2, est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France face à l'AS Saint-Étienne fin janvier, le club de Bergerac vit une saison riche en exploits et en émotions. Des performances de premier ordre qui ne font pas perdre à ce club familial et ambitieux du Périgord le sens des réalités et ses valeurs. À l'image d'Ishab Emlab et Tao Jamet, joueurs de l'équipe première mais également investis chaque semaine avec les jeunes licenciés de l'école de foot du BPFC. Quand passion et ambition riment avec transmission. Aujourd'hui on va faire le carré rouge, vous connaissez, avec un ballon chacun, conduite de balle, etc. Et ensuite on fera notre mini-golf. Faut faire juste attention aujourd'hui parce qu'on se sépare le terrain en plusieurs. Donc il faudra rester très concentré, d'accord ? Et après, les exercices, vous les connaissez généralement Depuis le début de saison, où c'est une activité que j'aime bien, essayer de partager mon expérience de joueur. Et c'est quelque chose que je fais assez régulièrement dans chaque club où je passe, où j'aime bien donner un coup de main au niveau de l'école de foot. Donc oui, on me connaît joueur. Ben, après, j'essaie entraîneur, c'est un grand mot, parce que c'est les tout petits, donc c'est assez agréable. Et ça me permet aussi de me détacher un peu de... du foot, on va dire, tout en restant un peu aussi dans le foot. C'est paradoxal. Là, ce que je veux, c'est ça. Petit ballon, et là, on bloque. Là, on bloque. Là, on bloque. Et on va rechercher son ballon. Allez, vas-y, montre-moi. C'est important de transmettre les valeurs que moi, j'ai connues étant formé au club, aux plus jeunes, pour qu'eux puissent se reconnaître aussi dans le projet du club qui est commun à tous, en fait. Ils sont très contents de venir nous voir le samedi. Ils ont des... je vais pas dire des étoiles dans les yeux, mais ils sont très contents de nous voir. Même quand on gagne, ils viennent dans le vestiaire. Enfin, il y a vraiment une communion entre les plus jeunes et nous. Et c'est ça qui vraiment est... et je pense que tout le monde s'y retrouve, en fait, que ce soit nous ou les plus jeunes. Vous connaissez, à mon top, on met le pied sur le ballon et on va en chercher un autre, d'accord? Allez, top! Pop! Et on va en chercher un. Ok, Mariam, c'est reparti. Sur les tours d'avant, pareil, ils venaient nous encourager. Et pareil, quand on gagne, eh bien, ils viennent avec nous faire le cri de guerre, etc. Donc, c'est des émotions qu'on partage ensemble, tout le club ensemble. Donc, c'est vraiment... ils sont contents pour leur entraîneur, comme ils sont contents pour eux aussi et le club. Et ça leur permet de voir des joueurs de Ligue 1 qui regardent qu'à la télé. Donc, ça leur permet d'être contents, quoi. C'est super. Allez, hey, Luca, je pose une bonne phase au sol. Ouais, Luca! Excellent! Allez, Romain, allez, Thibaut! À ces âges-là, c'est leur faire goûter un maximum de choses, surtout avec le ballon, et d'essayer de leur montrer que même si on est en N2, on peut venir entraîner les petits et partager nos expériences. Et même chez les petits, des fois, on découvre des choses qu'on a peut-être oubliées, donc ça nous permet de revenir sur ce qu'on était quand on était un peu plus jeune, nous aussi. Luca, mieux que ça, la conduite. Allez, top! Pam, pam, pam! Ouais, bien joué, Roman! Excellent! Allez, t'as le mieux! Ils viennent même voir les matchs de championnat, donc forcément ils viennent aussi pour la Coupe de France et c'est quelque chose qui touche tout le monde, donc ouais, ils suivent beaucoup. C'est un club mythique du football français, donc forcément on était très contents de les tirer parce que ça parle à tout le monde, notamment ceux de cette génération-là des années 60-70. Donc c'est un club qui... enfin, je pense que c'était le plus beau tirage pour nous. Tout le monde était super content de les tirer. Hop, 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 et je repars, d'accord? À mon top, d'accord? Qu'avec l'extérieur du pied, hein. C'est un adversaire de Ligue 1, un club mythique. Donc on va essayer de faire en sorte que... on va essayer de faire en sorte de encore passer un tour pour faire kiffer les petits, encore une fois, je le répète. Et même pour nous, pour continuer à profiter en termes d'émotion, c'est inexplicable. Donc essayer de continuer à gagner et pourquoi pas passer un tour. On verra après. Bien joué, Louis! Bien joué! Bien joué!